Nzambi malamu. Nous allons vous présenter, frères et sœurs, le message de vœux que le représentant légal de l'église Fepa Konzambe Malamu et président des églises Fepa dans le monde, l'apôtre Erebo Aydin, le vœu qu'il a donné à tous les enfants de Dieu de Fepako partout dans le monde et aux enfants de Dieu qui nous suivent régulièrement. Suivez avec une attention particulière le message de vœux que l'apôtre Erebo Aydin a donné pour les enfants de Dieu. Bana na tabi nyoso, l'église Fepako Nzambe Malamu, na pesi bino, alléluia mingi na komo na Yesu Christo. Mbulo yo, toko bina suka na yango, tuzali ko banda mbula sika na Yesu Christo ilongo. Yango nazali ko souhaite bino nyoso bon ane, na mabota na bino, na bisika bozali, Nzambe aeba ko bate la bino, lisusu mbula ya sika ekoti, et continue à m'accompagner si carcati n'a pas mouru la mort. Moto na moto ebongi azala ne loko malam oyo azali kokota yango na mbula ya sika. Makambo ya kala na mbulu eleki etikala tokota na Yesu Kristo na mbula ya sika. Na mapabole ya sika kati na bomoi na bino. Ebongi tuyeba kozala malam na bulingo. Makasi kati na biso kwete tolonga lisusu na mbula oyo ya sika kuleka ndenge tozalaki na mbula oyo eleki mapamboli esopana makambo malamu esopana na temple na biso munene oyo tozali kozwa yango etonga mape malamu mpona mbula oyo ya sika kwete kombo na Yesu Kristo ekende liboso na yango nalobi bonne année. Alléluia, bonne année à tous ceux qui nous suivent en ce moment précis. Et la grâce de Dieu nous a gardés, nous sommes en 2020. C'est pourquoi je souhaite tous mes meilleurs voeux à tous ceux qui nous suivent en ce moment précis. À la présentation, c'est le révérend Bavon Baya. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu vous couvre dans la puissante main de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite le vœu le meilleur au représentant légal de l'église Fepa Konzambe Malamu, l'apôtre Erego Aydin ainsi que maman Harmonie. Nos vœux le meilleur au couple du représentant légal et nos vœux le meilleur aussi à toute la famille Aydin Abala. Nous souhaitons nos vœux le meilleur à Yanana, maman Vicky Aydin, le révérend Obiniati ainsi que maman Faye Aydin, à qui nous souhaitons tous nos vœux le meilleur. Nos vœux le meilleur à tout le comité directeur de l'église Fepa Konzambe Malamu, le secrétaire général, le révérend Adrien Olongo. Nous donnons aussi nos vœux le meilleur à maman Alice Kaponda. Nos vœux le meilleur au pasteur provincial de la ville de Kinshasa, le révérend Mathieu Okasi. Nos vœux le meilleur au révérend Israël Usinga, ainsi qu'à tous les membres du comité directeur. Nous donnons aussi nos vœux le meilleur au révérend Bada, qui est le pasteur provincial Fepako à Goma. Nos vœux le meilleur à tous les inspecteurs des districts, de 5 districts de la ville de Kinshasa, Zone B, Lukunga, Tchangou, Mwamba, Funa, et qui le reçoivent nos vœux le meilleur dans le nom puissant de l'Éternel notre Dieu. Nos vœux le meilleur à tous ceux qui nous suivent régulièrement, qui suivent la tranche Fepako. Je souhaite le vœu le meilleur à mon épouse ainsi qu'à tous mes enfants, sans oublier toute l'équipe technique de la RTF à partir de Pasteur Minimbelou, ainsi que toute l'équipe technique, que tous puissent recevoir nos vœux le meilleur. Mes vœux le meilleur à maman Pata Thérèse, papa Ogui, ainsi que tous ceux qui nous suivent régulièrement. Recevez nos vœux le meilleur, que l'année 2020 vous soit d'une grande bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Parce que c'est la période de fête, bien-aimés, nous allons demander à la régie de nous proposer un extrait de CONAF, Chorale Nationale Fepako, une chorale très technique. Et nous allons suivre cette chanson, je sais que ça va vous édifier. Si la régie est prête, elle peut nous balancer cet élément CONAF suivant.
Dieu. Nakani saki na koza bomo ikuna. Zoka ndenga na mikosa keye. Yango na komi na suka ye. Kasi na ye, ye soye. Nzamba papa irigo na zongie. Nzambo ya tombo la papa shile jambwe. Nzambe malamo ye. Ye soye ye. Ajalisi yango pe monani Yambalo yembo yo e uti kati ya tema Nzambo yo anaklina kaleba yembela ye Nzamba tombola ya pongo ye Ya no na mituna Pulo baki tutte
Ça, c'était l'extrait des chorales nationales FEPACO, les enfants de Dieu qui chantent vraiment très, très bien. Aujourd'hui, le pasteur était à la résidence du représentant légal. Le 4 janvier 2020, c'était la cérémonie d'échange de vœux. Et comme vous le savez, tout le mois de janvier, le pasteur passe à la résidence pour les échanges de vœux avec le représentant légal. Et cette fois-ci, aujourd'hui, nous étions à la résidence, cet avant-midi. C'était vraiment très bien passé. Et lors de notre prochaine émission, vous aurez l'extrait des images de cette séance d'échange de vœux. Mais demain, le 5 janvier 2020, le représentant légal sera dans notre paroisse de Bandal 2, tout va bien, où le reverend Israël Lusinga va recevoir le représentant légal. Et ça sera demain, dimanche 5 janvier 2020. Et vous aurez les images prochainement. Et pour aujourd'hui, les extraits que je vous présente, c'était le samedi de la semaine passée. Le représentant légal de l'église Fepako Nzambe Malamu, le reverend Erego Aydin, l'évangéliste international, il avait reçu dans sa résidence le comité national de protocole. Le comité national de protocole était représenté avec le conducteur de nos différents districts évangéliques. Et l'homme de Dieu avait exhorté les protocoles de l'église Fepako Nzambe Malamu. Il y avait vraiment une forte ambiance à la résidence parce que Abar Njema, l'orchestre et la direction générale étaient là pour l'animation. Si la régie est prête, elle peut nous proposer l'ambiance de cette rencontre du représentant légal avec le comité national de protocole, suivant l'ambiance ainsi que l'exhortation que l'homme de Dieu avait donnée au protocole. Suivant. Parce que moi j'ai écouté le roi des rois qui dit toujours que ta foi t'a sauvé. Amen. Jésus est le roi des rois, mais quand un malade vient, il dit que ta foi t'a sauvé. Parce que il n'y a aucun autre nom qui est donné, c'est lui qui pouvait le guérir. Mais il dit, ayez la foi.
C'est pourquoi dans toutes choses, quand votre intelligence est finie, mettez votre foi en Jésus. Amen. Amen. Je vous prie que la foi de tout protocole soit élevée. Même si vous êtes un problème impossible, mettez votre foi en Jésus, il va le faire devenir possible. La Bible nous le confirme. Ce vous qui êtes grand va se vous servir. Vous avez Là, vous venez de suivre l'ambiance qui avait eu lieu ainsi que l'exhortation du représentant légal au protocole de l'église Fepakon Zambé Malam. Et le dimanche 29 décembre 2019, c'était la clôture de l'année au niveau de la direction générale. Parce que le 31 décembre, toutes nos paroisses étaient ouvertes. Nous avions prié dans nos différentes paroisses et pour la direction générale, nous avions clôturé l'année le dimanche 29 décembre 2019. Nous étions tous à la direction générale, il y avait deux cultes. Le premier culte avait commencé à 6 heures et ce culte avait réuni les enfants de Dieu de la zone B, Lukunga ainsi que Changu. Et le deuxième culte avait réuni les enfants de Dieu de Funa, Moamba ainsi que ceux de Chuapa. L'homme de Dieu avait prêché sérieusement et les deux cultes, c'était le représentant légal qui avait prêché. Nous allons vous proposer l'extrait de l'ambiance du premier culte ainsi l'extrait de la prédication de l'homme de Dieu lors du premier culte. Et le deuxième culte, je vais vous proposer seulement quelques chorales, comment ils avaient glorifié le Seigneur, parce que les deux cultes, le représentant légal lui-même qui avait prêché. Suivons un peu l'ambiance qui avait eu lieu lors de ces cultes du 29 décembre 2019, clôturant l'année 2019 au niveau de la direction générale. Suivons. Thank you.
Que Dieu vous bénisse encore. Bino bato ya paroisse nyonso ya ville à Kinshasa. Vous Nzambe les gens de toutes les paroisses de Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Mais kasi tozo tango ya kokumisa Nzambe. Mais nous allons avoir le temps de glorifier Dieu. Parce que nasuka ya mbula ezali makambu malamu oyo Nzambe asaleli. Parce qu'à la fin de l'année, ce sont les bonnes choses que Dieu a faites. Aujourd'hui, c'est le jour où nous devons le glorifier. Comme nous le réunissons ensemble. Yo zakuno zolo ba lelo tozana nous le 28, le 29. Tu es là, tu dis aujourd'hui nous sommes encore le 29. Non. Dans les jeunes et prières, tu n'étais pas là. Celui qui était là, il connaît ce dont je parle. Il y avait le vainqueur ici. Ils ont prié dans la foi. Il a dit que cette année nous entrons dans la foi. Ensemble avec notre Jésus. Il n'y a aucune chose qui peut nous interdire. Il n'y en a pas. L'année est déjà finie. Jésus est le protecteur. Tu pries pour ta famille, Jésus écoute et exhorte. Lélo. Aujourd'hui. Bonne année. Bonne année. Ne craignez pas. Le mauvais chose ne t'arrivera pas. La maladie ne t'arrivera pas. Tu vas entrer dans la paix. Avec Jésus Christ. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Celui qui est le bon péché. Celui qui vous garde et qui me garde. Partout où tu es, Jésus est présent. Il n'est pas seulement le Dieu d'une seule personne. Partout. Partout tu pars, c'est un Dieu omniprésent. Il est partout à la fois. Ne voyez pas la grandeur de ton problème. Voyez Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée d'une grande joie. Parce que notre prière, Dieu a exaucé. Nous allons continuer à prier pour se renforcer parce qu'il a dit prier à tout instant. S'il revient aujourd'hui, tu vas entrer. Tu vas y entrer. Et Amen. Amen. Acclamons Jésus. Ici, je parle brièvement. Dans le livre de Pierre, il dit ceci. Sachez que ce n'est pas dans votre force. C'est pas dans votre amour. C'est pas avec votre niveau de vie. Ce n'est pas à cause de ta richesse que Jésus te protège. Pour vos mauvaises pratiques que vous faites, de le comité. Cela, à cause de cela, tu n'allais pas en prier. Mais tu es arrivé à cause de l'amour de Jésus et sur vous. Il faudra à tout moment que tu puisses voir cette lumière. De faire le bien à tout moment. De se battre, même s'il ne convient pas, tu dois travailler. Que votre cœur ne se lasse pas de servir Dieu. Nombreux se sont fatigués. Nombreux ont reculé dans la foi. À cause de leur façon de parler. À cause de leur façon de vivre. À cause de ceux qu'ils ont dans leur cœur. À cause de ceux qu'ils ont dans leur cœur. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez dans le Père et croyez aussi en moi. C'est ça Jésus. C'est Jésus qui dit. Je ne dis pas moi, c'est Jésus qui dit ça. C'est la parole de Jésus. Espérez en moi Jésus. Est-ce que dans votre vie vous espérez en Jésus? Il y a beaucoup de choses bien aimées. Celui qui espère en Jésus, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Celui qui espère en Jésus, les gens vont commencer à faire du bien pour lui. Même s'il est loin,
L'Esprit de Dieu va envoyer. Et comme tata bangomba et kiti. Même le montant pour vous faire du bien. Parce que tu as Jésus-Christ. Celui qui a Jésus ne pleure pas. Il ne craint pas. C'est quelqu'un qui est accompli. Il marche, toutes ses voies sont bien et bénies et bien redressées devant le Seigneur. Bondela. Priez. Mais na kondima. Pena et loko ezali na litomba. Mais dans la foi avec les choses que tu demandes dans la foi, des choses précieuses. Totangi mukanda, tokeka mbala moko na lingala tango eza mukuse. On lit rapidement. Pote tozana tango nano ya kukumi sanzambe. Parce que on doit avoir le temps de prier, de glorifier Dieu. Totangi mukanda na 1 Pierre. Lisons 1 Pierre. 1 chapitre 1er. 17. Verset 17. Boyebi ete bosili kosikwa kati na bijaleli na bino na mpamba bilongwe na bankoko na biloko bipakola pakola palata soko wolote kasi bosili kosikwa na makila na Yesu Kristo maleki yonso na motuya lokola makila na mwana na mpate oyo na mpota te pe na litono te. Ye ayebana ki liboso na ino mokili ezalaki te. Nde ayei komonana na nsuka na ntango na bino. Pona ye, bozali bandimi na nzambe oyo asekwisi ye na bakufi, pe apesi ye lokumu. Bongo, kondima na bino pe elikia na bino, ezali na nzambe. Amen. Amen. Merci mingi de konangai. Merci beaucoup bien. Yoka malamu liloba na nzambe. Écoutez bien la parole. Alobi ezali pona. Malamu na yote. Il dit c'est pas parce pona que mbongo na yote. Pour tes biens, pour pona ton action. Na yote. C'est pas pour ta richesse. Ezali te pona mutu songolo. C'est pas par quelqu'un d'autre. Ezali likolo na makila na Yesu Kristo. Oya kufake likolo na ngomba. C'est à cause du sang de Jésus qui est précieux sur la croix. Mutu na liboso. Père à cause de la mutu na suka. Il était le premier et il sera le dernier. Et le tout pouvoir lui a été donné. Wana e na bolingo na ye. Par sa miséricorde et par sa grâce. C'est pourquoi il t'a gardé ainsi. Aujourd'hui nous nous racontons. Aujourd'hui nous sommes comme ça. Aujourd'hui nous nous habillons bien. Ce n'est pas par notre force. Vous devez discerner la parole de Dieu. Sachez que tout le bien qui vous arrive, ça vient de Dieu. Vous devez votre foi soit sur ce Dieu qui vous fait du bien. Il voudrait que vous soyez rempli de la foi. Que vous soyez quelqu'un qui a compris. Parce que le son de Jésus, ce qui était répandu sur la foi. Que tu sois quelqu'un accompli. Mais quand vous êtes vivant, pendant que Dieu vous donne encore le souffle, vous devez connaître que ce Dieu est bon. Vous puissiez savoir le glorifier dans votre vie. Partout que tu puisses témoigner son nom. Dans de bonnes œuvres. Cette année, c'est une année de bonnes œuvres. Si tu fais les bonnes œuvres, Dieu va t'élever. Et il ramasse dans la sécheresse. Il ramasse quelqu'un qui veut. Comme il veut et comme il veut. Il n'abandonne pas. On lui dit pas. Il fait autant qu'on veut. Ta vie n'est pas entre tes mains. Ce que j'allais pas m'embêter. Si c'est pas entre les mains de Dieu. Deko, osalouka flair à pamba, soko kwei, mutupa ko kipete, aromona ngweza normal. Bien-aimé, tu es comme une fleur, quand ça tombe, on va plus t'en tenir compte parce que ça va sécher. Yoko kaukate ndeko nakai. Ne sèche pas bien-aimé. Tango zana na bomoi. Quand tu es vivant. Sale la Yesu Kristo. Servez Jésus. Tango rokoma yo lali. Et quand tu vas coucher. Et ale sengo pwete. Kuna yo kende na lola. Que ce soit la joie si qui va entrer dans le ciel. Là où la joie ne se finisse pas. Kuna ba mona naka, toko mona na misu na misu. Là vous allez vous voir face à face. Nanzambe pembeni.
avec Dieu tout près de vous. Quand vous marchez, vous regardez comme ça, Dieu est là. Quand tu penses au monde, vous ne voyez pas Dieu, mais il est à côté de Dieu. C'est lui qui est à côté de moi, je le vois. Il faut être sur la terre. Mais tu vois à côté de Dieu. Avant que vous puissiez entrer dans le paradis. Il dit ici, le temps sera bon. Les miens seront bien portants. Bien aimé, il vous est donné d'être bien portant. Que tu puisses bien terminer cela. Qui croit que Amen. Il aura les bénéfices pour la gloire de Jésus-Christ. Pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon, bien aimé. Au verset 25. Awa esili bino kopeto la milimo na bino na nzela na kotosa makambo na solo. Ete bolinga bandeko na bolingo bozo, bozangi bokosi. Bolinga na makasi na mitema. Bosili kobota malisusu na momboto mokopolate. Kasi na oyo ekobika seko mpona liloba na nzambe. Lizali na bomoi peli koume la seko. Po ete bato yonso basali lokola matiti. Kitoko na bango yonso lokola felele na matiti. Matiti makaoki, pe felele ikwei. Nde liloba na nkolo, ezali koumela seko. Liloba yango ezali sango malamu, oyo esakolami epai na bino. Amen. Amen. Ezali esika mususu te. C'est pas un autre endroit. Lelo yo ezali koyoka liloba na nzambe. Aujourd'hui vous écoutez la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle que vous écoutez. C'est plus le problème de demain. Ici, quand nous allons sortir, nous allons le purifier pour rencontrer le Seigneur. Rentrer chez nous. Kasi, tozali ko bima wana to si to peto la mi. Mais nous allons sortir déjà. Donc, on peut la mana et il est l'eau. Sa purification commence aujourd'hui, ici, maintenant. En dénonçant toutes les mauvaises choses. Tu avais mal agi. Si il s'agit de demander si c'est à votre frère ou sœur, demandez-lui pardon. S'il est loin, quand vous sortez, allez le chercher. Dis-lui que j'étais une occasion de chute pour vous, pardonnez-nous, pour que nous puissions entrer dans la bénédiction. Vous qui êtes une occasion de chute pour les gens, le temps vous est donné de confesser. Et ne reprenez plus cela. Pour que le soit demandez pardon à tous les gens que vous avez causé du mal. Tu es une occasion de chute, ce n'est pas une bonne chose. Le diacre, les anciens, que l'unité règne parmi vous. L'amour avec le pasteur. De même avec le pasteur, tout problème, avant que ça arrive à la direction, parlez avec les anciens et les diacres. Peut-être en parlant avec le diacre, ils peuvent donner la solution et le problème sera résolu. Il est conducteur de la paroisse, il dit, moi seulement je traite avec la direction. Non. C'est ce que nous disons, votre base, ce sont les diacres. Et bon, les soit dans l'unité avec eux. Parlez avec eux. Quand il y a un problème, parlez avec eux. Qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce qu'on peut faire? L'Esprit de Dieu sur tout le monde. Au temps de la fête, Dieu le reprendra sur vous. L'Esprit de Dieu sur tout le monde. Sur le pasteur. Sur tout le monde. Celui qui craint Dieu, l'Esprit de Dieu sur lui.
bolingana na bolingo ya solo. Aimez-vous les uns les autres dans le véritable amour. Ya lokutate. Pas un amour trompeur. Loba bolingo na ngeza kati na motema. Bolingo na ngeza kati na motema. Ezala ya solo. Que ce soit la vérité. Awa yo lobi wana. Quand tu parles là, Ange va battre la kalingomba. L'ange qui protège les gens. Merci tata nabika moi. Merci Dieu de prodige. Nzambe na bolingo. Dieu d'amour. Nzambe na mawa. Dieu de compassion. Oya zalina mawa likolo na bato. Celui qui a sa miséricorde. Tata na tiki lingomba na mobi. Père, je commande ton église entre tes mains. Tata, batambola ki mabe, bakweyaki Yesu Kristo. Père, ils se sont méconduits, ils étaient tombés. Maintenant, ils demandent de se relever dans le sang de Jésus. Écoute le pleur de tes enfants. C'est toi qui écoutes et exhortes. Tu es un Dieu vivant. Jésus-Christ, tes enfants pleurent auprès de toi. Ils ont confessé leurs péchés. Ils t'ont demandé que la nouvelle année qu'ils ont dans la nouvelle. Tu es le Dieu de tous les esprits. Que toutes les âmes s'inclinent devant toi. Celui qui a la puissance plus que toutes les puissances. Jésus-Christ est prodige. Toi, tu as écouté exorcé. Tes enfants sortent maintenant ici dans la joie. Ils sont parce que tu les as pardonnés, tu as mis de nouveaux fruits en eux. Tu as mis les choses vivantes en eux. Les choses qui ne meurent pas. Ce qui ne te détruit pas. C'est ton nom Jésus-Christ. Ça habite dans leur cœur. Ce qui va leur donner la puissance sur eux. De marcher. De rester. Tout se passera dans ta puissance. Dans leur vie, aucune puissance ne résistera devant eux. Qu'ils soient accomplis dans ton sang. Que ta puissance habite en eux. Qu'elle agisse en eux. Que tu aies accompli. Je demande à la foi. Leur vie a changé. Parce qu'ils ont reçu le fruit nouveau en eux. Bonne année, Ezali Mbula Yasika. Bonne année, c'est la nouvelle année. Ils y entrent dans la paix, dans la tranquillité. Dans ta puissance à tout moment. Je demande à la foi. Toute puissance des maladies. Toute puissance des différences. Au nom de Jésus-Christ. Il n'a plus la puissance et l'autorité sur tes enfants. Celui qui était malade, il sort dans la joie dans le nom de Jésus. Le chômeur soit embauché cette année, Jésus. Le commerce qui a connu des faillites, celui dont le problème était bloqué, tu délivres et tu le bénis. Je demande à la foi. Quand tu leur fais du bien, ils reconnaissent que tu es leur Dieu. Toi, tu agis en eux. Tu es ensemble avec eux. C'est pourquoi je te dis merci, Père. Je glorifie ton nom. Tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Merci pour tout ce que tu as fait. C'est le vrai, je dis merci. Je glorifie ton nom dans tout ce que tu fais dans leur vie. Merci Mingi Tata. Merci beaucoup Père d'avoir protégé tes merci enfants. Merci de les avoir merci accomplis. Merci d'être leur Dieu dans leur vie et dans leurs problèmes. Je demande à la foi ta bénédiction demeure sur eux. La nouvelle année, les nouvelles choses. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen.
Bien-aimés, nous sommes pratiquement à la fin de notre mission et je vous rappelle encore que, comme vous voyez, sous le bas de votre écran, les numéros de M-Pesa, Orange Money et Equity Bank sont en train de défiler. La collecte de l'achat terrain 3x2 est en train de continuer. Contribuez, entrez dans l'histoire, la bénédiction de Dieu vous accompagnera et Papa Erego voudrait que les enfants de Dieu, ainsi que même ceux qui ne sont pas de l'église, fait pas qu'on s'amène malam, entrez dans l'histoire. Contribuer pour l'agrandissement de notre temple de la direction générale, le Seigneur vous bénira. Si Jésus ne revient pas, nous allons nous rencontrer la semaine prochaine. Tranche FEPACO passe tous les samedis à 16h05 à la RTVS 1, tout le mercredi, 16h05, toujours la rediffusion. Et vous pouvez suivre encore cette émission sur YouTube, sur FEPACO TV. Vous allez suivre cette émission ainsi que toutes les activités au sein de l'église FEPACO Nzambe Malam. Que Dieu vous bénisse, nous nous rencontrerons la semaine prochaine. Nzambi malamu.